Somme, la colonie de vacances vire au cauchemar pour un enfant de 11 ans, sa mère porte plainte. La mère d'un garçon de 11 ans a porté plainte pour « violence aggravée » au retour de son fils d'une colonie de vacances. Les colonies de vacances ne sont pas toujours jolies. La mère d'un garçon de 11 ans a porté plainte pour « violence aggravée » au retour de son fils d'un camp d'une semaine organisé en Bretagne par la communauté de communes Somme Sud-Ouest, installée à Poix-de-Picardie, près d'Amiens, révèle France Bleu. Le corps de l'enfant était couvert de bleu, il avait un cocard, dénonce sa mère qui en veut aux animateurs, estimant que ces derniers n'ont rien fait, alors que son fils s'était plaint auprès d'eux. Parti le 23 août, le jeune garçon est rentré le 29 après un séjour à Camaret-sur-Mer où il raconte avoir été martyrisé chaque jour par un groupe de 3 enfants âgés de 12 et 13 ans. Il le réveillait avec des claques. Le frappait à chaque pause, matin, midi et soir, et ça toute la semaine, rapporte la mère à la radio régionale. L'enfant, frappé et menacé jusque dans les sanitaires, avait préféré ne pas se laver durant le séjour, selon elle. Elle précise aussi un épisode où son fils a dû se cacher la journée entière dans un buisson car le petit groupe avait tenté de lui enlever le pantalon. Et les animateurs dans tout ça? Je n'étais pas présent au dîner, et personne ne s'en est rendu compte, a raconté le fils à sa mère. La communauté de communes qui proposait le séjour a ouvert une enquête interne et se réserve le droit de porter plainte aux côtés de la mère contre l'organisateur de cette colonie de vacances, l'organisme Éducation Jeunesse N, EJN.